Là, c'est l'instant coiffure, les frérots. Donc là, c'est important. Même s'il n'y a pas match, tu connais, week-end. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula là 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 là. Bam! Frérot, les frérots, on est jeudi, c'est entraînement, c'est training, c'est training en tout cas. Voilà, juste pour vous dire, dinguerie, on a gagné donc ce week-end contre Valbruch. Voilà, je me suis entraîné, quelqu'un m'a aidé sur la prononciation, j'espère que c'est bien quand même. Là, à l'entraînement, donc comme vous savez, on a pas match ce week-end. Et à l'entraînement, il n'y a personne. Déjà, mardi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, jeudi, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc franchement, ça craint. Déjà, même nous, sur la motivation, je pense que vous, c'est pareil. Quand vous allez à des entraînements, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que un est malade. Un, il a un autre souci. L'autre, il a un autre souci. Franchement, c'est très frustrant. Voilà, bon, on va essayer, en tout cas, nous, personnellement, même vous, je vous encourage quand vous avez des petits trucs comme ça, que ce soit équipe ou quoi, bah, restez focus sur vos objectifs. Vraiment, tout donner, vous. Ne pas se dire que c'est les autres. C'est machin, c'est les autres. Non, voilà, restez bien focus. En tout cas, les frérots, là, on a fait une petite séance de shoot. Donc voilà, ça a servi quand même. C'est plutôt cool. On a retravaillé un petit peu les flotteurs où normalement, j'espère qu'on m'entendra bien, où je vous explique un petit peu comment bien faire le flotteur. Et puis voilà, alors on va passer à la coupe de cheveux avec mon gars Théo, Wheezy sur les réseaux, donc sur Instagram. Et puis tout simplement, toujours hein, avec Baller Pride, franchement, que la qualité, elle est là. On ne lâche plus cette marque. N'oubliez pas que vous avez même avec le Black Friday, je crois qu'il y a moins 30%. Et puis moins 10% avec le code Delta aussi également. Enfin, je vous mets le lien juste qui est en bas. Et franchement, vous n'avez plus d'excuses. Voilà la famille, donc là on va couper les cheveux et puis après on va aller à la suite du vlog, vous allez me suivre, même s'il n'y a pas mal, je pense qu'on va aller voir une équipe de Montmoreau. Donc Montmoreau, on l'a joué l'année dernière. Et puis toi, tu connais Montmoreau? Je connais pas Montmoreau. Je connais pas. Je connais les filles. C'est perdu le joueur. Connais les filles de Montmoreau. J'ai une dinguerie. Là, c'est l'instant coiffure, les frérots. Donc là, c'est important. Même s'il n'y a pas match, tu connais, week-end. Les week-ends, les frérots, on prépare tout simplement des vidéos, des vlogs, en partie le vlog. On prépare aussi des vidéos pour Instagram aussi. Donc voilà, donc faut être beau gosse. Des petites stories, ça fait longtemps que j'ai pas fait le beau gosse un peu sur le réseau parce que bon, je favorise beaucoup plus le boulot, c'est-à-dire que ce soit la vidéo, le basket, tout ça. Donc bon, là on va essayer d'aller être un petit peu plus beau gosse. Je laisse ce petit taf là à Théo. Et puis voilà la famille. Bon les frérots, on est avec José. Là on va voir du coup le match de Lens. Montmoreau, ça a été annulé. Du coup voilà, on va voir Lens. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, on verra juste ça. Donc là ouais, là on vient d'arriver dans la salle avec mon chef. C'est, je sais pas de quel côté c'est par contre. Margin du go. Les gars, c'est un game. Et les gars, on va voir. Hein, il y a peut-être le match, il est là, je sais pas. Ah, les gars, ils sont là. Les chefs. Ça va, Koigo? La forme? Ça va? Ça va, les gars?
Les gars, nous voilà arrivés là. Donc là, hop, le meneur de Lens qui a le ballon, qui attaque, qui regarde là juste à droite, qui a quelqu'un, il lâche le ballon. Malheureusement, il l'a loupé. C'est pas grave, attaque de la charité derrière. Numéro 10, il lâche sur le côté, on voit pas très bien, mais voilà, là on voit, hop, marché, mon coco, je savais pas qu'on pouvait encore faire des marchés en rectangle. Si, on en fait tout le temps, mais voilà, là il y a marché, hop, là il le joue, il est assez loin, il shoot dessus, chef, ils sont chauds, c'est vrai que ça, c'est rare qu'on voit ça en N3. Hop, il prend l'écran, il va carrément à la skip pass, donc on se passe vraiment à l'opposé, il shoot, il loupe, oh. Et là, apparemment, il y a faute. Ah, les arbitres, des fois, j'ai pas tout compris. Prise d'écran, le meneur, il relâche à l'opposé. Il est tout seul pour un bon petit shoot, ça rentre. Franchement, bonne petite vision de jeu, là. Ensemble, ils sont plutôt bons. Hop, il refait l'écran, mais ça ne va pas plus loin. Désolé, mon coco, on va pas donner suite. Hop, du coup, c'est le 7 qui vient faire un écran. Il attaque et il finit tout seul. Ouais, bien. Bien. Donc, c'est bien. Au moins, le meneur, il arrive à alterner. Vous verrez entre le shoot, le drive et faire jouer son équipe. Donc là, hop, bon contact, il la met quand même avec sa main gauche. Encore pour Lens. Donc Lens sont en rouge, pour ceux qui ne connaissent pas. Prise d'écran, il est derrière et là, bonne lecture. Oh, franchement, c'était une bonne petite lecture. Après, dommage, ça n'a pas mis. Il redonne directement à l'opposé pour que ça joue. Hop, il reprend le ballon. Boum, il le fait sauter. Du coup, il rattaque derrière et apparemment, il siffle quoi. Je sais pas, peut-être une touche. À mon avis, c'était une touche. Voilà. Donc en face, t'as vu, on est pas, ils sont pas beaucoup, mais franchement, dans les tribunes, ça va, il y avait du monde. Il y avait du monde. Hop, ça coupe, et on aurait pu lui faire, mais non. Du coup, on donne à l'opposé. Là, il coupe, il l'a pas non plus. Du coup, il joue son jeu, il force un peu. Hop, ok, Lens reprend le ballon. Il a, je sais pas, ok, il y a faute avant. Faute avant, sinon il aurait pu jouer avec ses deux qui arrivaient en force derrière, mais ok, faute avant. Donc lui, il aimait. Bien à droit, le meneur de Lens. D'ailleurs, le meneur de Lens qui mesure 1m, je crois, 72. Donc, il y en a qui disent que le basket, c'est pas pour les petits. Bah, la preuve que si, les gars. Ouh là là, petite passe à l'opposé. Il s'en sort très bien. Il s'en sort vraiment très bien. Hop, écran pour remonter dans l'axe. Et remain à main. Hop, il y a encore une prise d'écran, mais qui est pas très bien faite. L'écran est pas très bien fait. Donc ça, vous faites attention si vous avez des écrans à poser. Si vous devez prendre des... Ouais, là, je sais pas ce qu'ils se sont fait. Ils se sont emmêlés les pinceaux, les chefs. Donc, ouais, la prise d'écran est très importante. Il y a deux gars sur lui, mais pas de souci. Hein, le chef, ça dégaine. Faudrait que j'essaye d'apprendre ça. C'est stylé. J'avoue que ça, c'est stylé quand il a fait ça, le chef. Là, Loïc. Donc là, je jouais avec lui, Loïc, à l'époque. Voilà. Il me conseillait, tout ça. Enfin, je jouais. J'étais plus sur le banc, mais bon. Voilà, il me conseillait. Il n'a pas vieilli, chef. Donc, voilà. Là, hop, il défend. Il dégaine un shoot là, boum, ah, les gars ils sont chauds. C'est vrai qu'en N3 on a moins ça. C'est plus un joueur tout seul à l'opposé, on lui lâche. Que là il joue, il voit qu'il peut pas, boum, ça décolle quoi. Ça aussi la différence entre un plus haut niveau. Hop, il va pour le driver, il redonne à lui. À l'opposé on regarde ce que ça donne, mais il n'y a pas trop. Non, ça shoot direct, les gars ils sont chauds. Hop, le 6 attaque, bonne attaque, c'est vrai parce qu'on voit vraiment rarement des bonnes pénétrations. Ça attaque, ça joue sur les systèmes ou autres, mais les pénétrations, il y a peu de personnes qui sont forts en pénétration, je trouve. Boum, le petit shoot derrière, ah, ça rentre, 1 mètre derrière la ligne, c'est pas un souci les gars. T'as les petits qui faisaient ça devant, c'était stylé. Voilà, en tout cas, on a passé un bon samedi, avoir un petit match comme ça, ça fait plaisir parce que d'habitude on joue. Là encore le petit shoot, boum. Le 6 à la balle, il fait une passe, lui il shoot directement, bonne lecture, vous avez vu, pas hésiter ça. Oh, lui aussi il shoot, derrière il y a faute ou pas. Franchement ils auraient pu lui donner avant, vraiment pour qu'il soit même plus dans le rythme. Donc là ça va, il l'a mise, mais je pense que c'est un peu lent. Donc tac, ah, ferme de balle, les chefs, ils se battent tout. Et non, c'est pour les autres. Hop, on a vu que ça tenait le maillot, hop. Il drive, vous avez vu, boum, il donne en bas. Lui est très fort en bas, hein. Franchement, leur intérieur, il est très puissant. Il l'avait joué, c'est très compliqué de jouer contre eux. Il a une bonne vision de jeu, en fait. C'est ça qui rend les choses plus compliquées, qui est rare de plus en plus au niveau du basket. Donc là, hop, il donne la balle au meneur. Voilà. Hop, il reconstruit quelque chose. On regarde qu'il prend position à l'intérieur avec le 21. Le 24 et le 21 se battent en duel. Au mieux, on va pas forcément chercher l'intérieur. Il joue beaucoup plus sur, on a remarqué, donc là ça rentre, mais beaucoup plus sur bah, l'écran, main à main et tout ça. Ils ont un système comme ça, j'ai pu voir et pu comprendre. Mais le grand, c'est dommage, je trouve. C'est dommage qu'il ne voit pas assez le ballon en bas. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de lui. Et ouais, peut-être que c'est ça. Hop, là ça lâche là, difficilement.
Qu'est-ce qui va? Je crois qu'il y a un truc là, bizarre. Ouais, bon, balle pour les autres, j'ai pas trop compris ça là. Hop, le 4 qui se sert de l'écran pour attaquer, il la donne en bas, mais un peu un truc casse-croûte, là il loupe, il me semble, voilà. Là il pousse. Je sais pas d'ailleurs si vous voyez des fautes ou quoi, n'hésitez pas à dire à tel temps de tel temps pour savoir après nous dans les commentaires qu'on puisse en juger la situation. Donc n'hésitez pas si vous voyez des choses. Hop, là il se resserre de l'écran, il ne lâche pas le ballon que à la fin et boum. Voilà, il donne pas sur la première proposition. Là il attaque tout seul. Paire de ballons, du coup les rouges attaquent derrière. Et je sais pas pourquoi il est pas remonté direct. Et là je sais pas pourquoi il a pas dunké. Les gars, attends, oh, les gars, une deux, faut mettre des gros dingues, quoi. Le public est là. Bon, j'avoue que le public à Lons, il dormait un peu. Il n'y avait pas de tambour, il n'y avait pas de tout ça. Gros, franchement, j'ai connu des équipes en Alsace. Ça y va, la COP, elle est... Enfin, voilà, quoi. Compris. Hop, là, il calme le 4. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il joue, ok, même moi j'ai cru qu'il allait shooter, tu vois, je suis resté bouche bée, hop, même là j'ai encore cru, il fait des bonnes feintes. Bon, c'est pas rentré, dommage, on ressort le ballon à 3 points, on rejoue sur l'écran, mais vous avez vu les écrans, je sais pas, c'est bizarre, c'est même pas des écrans, il y en a. Mais donc faire attention, je sais pas, c'est peut-être la consigne du coach, donc là il marque, mais souvent les coachs ils disent, ah, tu fais genre de l'écran et tu passes là-haut, ça peut être ça aussi. Mais si votre but c'est de mettre un écran, faut bien le poser. Oh là 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 là! Et là il parle, il dit oh mais non mais non, eh, ça faut pas parler avec l'arbitrage que derrière ça va vite, ça va très très vite. Bon ça va il le loupe, mais derrière voilà. Et en plus il siffle je sais pas quoi, une faute. Derrière, directement le shoot, boum ça rentre. Ah ouais. Lui j'aime bien ce meneur là parce que bon, il arrive à shooter quand il faut, il fait jouer son équipe et il drive. Tu vois les meneurs deux fois ils se cachent et ils vont jamais driver, jamais rien faire. Donc s'ils shootent et qu'ils loupent, bah, ils n'ont plus rien d'autre. Donc ça, c'est chiant. Hop. Donc là, franchement, la charité, c'était serré. Avec l'on, c'était très, très, très serré. Donc là, il y a tout simplement l'écran, ça coupe, ça c'est... Bon, ça défend pas, il shoot le chef. Hein. Et là, faut défendre hein, sur l'ancien. Ah, les gars, il est chaud. Hop, ça coupe fort, ça peut pas. Du coup, il s'enlève vite quand... Quand ça attaque comme ça, il y a quelqu'un, tu vas pour couper, mais il y a la personne qui a le ballon qui attaque, faut pas attaquer en même temps. Faut vite t'enlever pour pas attirer ton défenseur. Donc voilà. Bon, bref, là, en tout cas, il la redonne ici pour une prise de shoot. Ça veut pas passer, couper, il tire. Bon, c'est pas réussi, faut ou pas, peu importe. En tout cas, c'est pas réussi, mais passer, couper, c'est bien. Il a créé quelque chose derrière, donc vous, n'hésitez pas non plus à... Voilà, hop, directement, il sanctionne le numéro 4. Donc ça va, là, il l'a mis, mais vous allez voir qu'après, le chef... vous verrez par vous-même, hein. Hop. Là, ça ressort le ballon sur le côté. Il re-shoot derrière. Trop. Et là, c'est loupé, chef. Hein, là, ton équipe a peut-être besoin de toi, chef. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula là 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 là. Bam! Allez, chef, là, vous êtes tout. Salade, tomate, oignon. Il y a le cross. Et voilà. Il retente après. Il retente. Il se fait prendre le ballon. Du coup, il râle un peu. Il revient doucement. Hop, balle dans l'axe. Boum. Alors lui, il sortait de nulle part, il dégaine. Il a dégainé vers la fin et ça a bien fait remonter la charité. Et puis, vous verrez que le 4, pour moi, a fait des mauvais choix. Voilà. Oh là là, c'est rentré. C'est rentré, ça sanctionne. À 3 points, si tu défends pas, chef, là, tu peux pas les attendre dans la raquette. Bon, vous, là, pareil, mettez-moi la time qu'il y a dans la vidéo. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Est-ce qu'il y a faute offensif ou faute du défense? Enfin, dites-moi, n'hésitez pas à partager qu'on puisse voir si on a la même vision basket. Rebond pris par la charité, ça ressort. Donc là, à ce moment-là, franchement, on a kiffé la fin de match. Hein. C'était bien parce que c'était serré sur la fin de match. Voilà, c'est pour ça que c'était un bon petit vendredi soir. D'ailleurs, je crois que je vous ai dit samedi, mais un bon petit vendredi soir. Et puis voilà. Alors là, hop, il essaye de jouer avec l'écran, mais il n'est pas du tout pris, donc ça fait attention. Voilà, ça piquait beaucoup sur ça, faire les choses simples. Bon, il marque derrière, c'est parfait. Ok, là, c'est avec les lancers. Qu'est-ce qu'il y a la caméra? Elle bouge la caméra. Ok, il met vite son joueur derrière, il fait une petite passe. Non, il aurait dû soit shooter tout seul, soit vite à l'opposé. Là, ça rentre, bonne contre-attaque de la charité. Une très bonne contre-attaque. Là, le 33 à la balle. Il a la balle, il ressort sur le meneur. Il attaque, il passe facilement son défenseur, mais vraiment très facilement, il retente. Est-ce qu'il y a faute, vous, d'après vous? Voilà, dites-moi. Là, hop, contact encore. Et il va chercher exprès, faute ou pas.
Go. Donc là, on est sur tout simplement... Ah oui, ok. Donc là, pas des crottes du tout. Enfin, il a même plus fait chier qu'autre chose. Ok, mais il a rollé avec lui pour avoir le petit panier facile. Ok, petit flotteur, mon chef. Parfait. Ah, le frérot, le flotteur. Qui c'est lui, je crois, ce jeu s'est fait deux fois les croisés, les gars. Donc déjà, moi, une fois, mais alors deux fois, j'imagine même pas. Là, il laisse tout seul le mec. Lui, il est chaud depuis tout à l'heure, il marque. Le chef, faut éviter de laisser ces joueurs-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hein, il appelle quelque chose. Je sais pas quoi, peut-être... Des sushis, les gars! Oh, petite attaque. Derrière, il relâche. Boum, il voit son grand tout seul. Ça marque, long, c'est chaud. Long, c'est chaud. La charité, bon, vous allez voir, le 4... Voilà, le 4 a fait... Beaucoup de jeux tout seul, vous verrez. Donc au début, ça a marqué très bien, mais après, ça marquait plus. Puis quand il voulait compter sur ses joueurs, du coup, il avait peut-être plus la même confiance qu'au départ. Et je trouve que, bon, c'était limite. Donc là, hop, bon, dommage, il s'est fait secouer directement. Donc voilà, là vous allez voir directement l'attaque du 4. Passe à l'opposé, donc là, ça va. Ça tourne un petit peu quand même. Il n'a pas trop gelé. Il est tout seul et boum, il shoot. Bon, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il passe? Oula. Ouais, chef, c'est compliqué ça. Hop, attaque du meneur, il s'arrête directement. Et la passe qui n'est pas réussie, sinon ça aurait été bien parce qu'il a attiré vraiment beaucoup de joueurs. 80-82. Donc vous avez vu, c'est serré. Il shoot encore, le chef, peu importe. Le mec, il a loupé avant, il n'y a pas, les gars, ça balance. Donc, hop là, il y a faute pour. Hop là, enfin, pas une, pas deux. Hop, 83-82, il me semble. Boum, le 4 qui essaie de jouer avec son le 21, qui redonne, à mon avis, c'est sur zone, souvent ça. Ok, bon rebond, et boum, derrière, qui a la faute, donc parfait, donc il met ses lancers, c'est ricrac, mais il le met, donc 83-82, 4 minutes de jeu, hop, il met l'autre, parfait, on re-regarde, 83-84, vous aimez bien les scores comme ça. D'habitude, pour mes vidéos, il n'y a pas ça, mais je pense qu'il faudrait faire ça, vous avez raison, c'est mieux. Même avec une petite barre en bas, hop, il ressort à l'opposé, et boum. Ah, regardez les blairs qu'il fait. La main est chaude. Non, il est chaud. 86-84, la charité peuvent vraiment remonter. C'est 84 pour la charité. Flotteur, ah, airball. Donc le 84, le 4 qui veut prendre tout le match à son jeu, tu vois. Lui qui a beaucoup mis, qui a mis la charité devant. Donc franchement, c'était plutôt cool. Le petit flotteur directement après un 3 points de la charité qui remet tout le monde dedans. Donc qui permet de ne pas reprendre un écart ou autre. Là, il joue posé, en fait. Il joue pas précipité. Ça essaie d'attaquer, ça peut pas. Ça va chercher à l'opposé. Boum, voilà. Les gars, ça joue simple, en fait. Ça pas... Il y en a quelques-uns qui... Donc, vous allez voir qui croquent, mais après, ça croque, mais pas longtemps, souvent. Donc, ça va. Je sais pas s'il parle ou... Voilà. Je sais même pas si on peut dire croquer, mais voilà. Donc là, hop, ça rentre derrière. Donc, voilà. Très bien battu, je trouve. Une attaque encore de lui, mais lui, voilà, il... Franchement, ils sont pas loin la charité, mais je sais pas ce qu'ils font. Donc en fait, je sais pas, vous en tout cas en tant que... Ah là là, les gars, ouais, là, c'est fou. Là, ça commence à revenir. Donc vous, même si vous voyez que vous êtes en train de gagner ou de perdre, peu importe, dans toute cette situation, essayez pas de sauver le match pour vous, en fait. Voilà. C'est un petit conseil. 89-95, plus qu'une minute de jeu. Donc là, ça commence à être compliqué, les chefs. Très, très compliqué. Donc voilà, il réattaque, il crée une faute derrière. Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Il joue avec lui, il y a marché ou pas, il y en a qui se plaignent de marcher. Oh, compliqué, il y a le pas zéro, il n'y a pas le pas zéro. Les gars, dans les commentaires, je veux la time, je veux savoir tout. Hop, il joue, le rouge, il me fait rire, il joue avec lui. Mais il y en a qui disent, il y a faute ou pas faute. Mais bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu le 21 rouge, il ne s'est pas pris la tête à gueuler après l'arbitre, 108 ans, à se dire, oh, il y a faute, il n'y a pas faute. Non, il joue derrière, ça essaie de jouer. Voilà. Donc, le 4 a vraiment fait beaucoup de phases, vous avez vu, comme ça, bah, bam. Donc ouais, c'est compliqué, c'est dommage que je pense que la charité aurait pu vraiment accrocher, limite gagner. Et voilà, l'on s'est resté serein et a joué, après ils avaient son public, c'est très bien. Public un peu endormi, les gars, si vous auriez pu sortir les tambours, ça serait bien, n'hésitez pas la prochaine fois. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir un match N2 un vendredi soir. C'est cool, c'est du basket, c'est ce qu'on aime. Et voilà, le temps, je l'ai passé comme ça, les frérots. Là, je vais aller coacher les enfants un petit peu. Et puis voilà, ça, c'est mon... Vous me suivez, quoi. Alors, allez, on y va, les frérots. N'oublie pas le like aussi. D'ailleurs, on va essayer de refaire un peu la même. Jouer sur nos principes et ça ira bien, OK? Bien, Lilian, ton job, là, OK? Bien, tu prends le ballon, on essaye de lui donner. Moi, c'est pour que vous progressiez, asseyez-vous. Ce que j'aimerais bien, d'accord? On met tout le monde un peu sur la ligne, là, d'accord, en bas. Ok, au maximum.
Enfin, on se met le plus bas possible, si vous voulez. La touche, elle va être là ou de l'autre côté. Et quand c'est bon, il y en a un qui part. Donc, soit Amani, soit Evan, ou après n'importe qui. Vous partez tous à 3 points. Premier qui a 3 points, il shoot. Voilà, jackpot. Et c'est pas je surcule, je shoot. C'est un bon changement de rythme. Donc, vous faites genre, vous êtes comme ça pour vous démarquer. Et boum, vite. Et vas-y. Et je veux un 3 points, parce que ça passe dans la vidéo. 1, 2, 3, PJBC, ensemble.